Margot s'est faite connaître grâce à la dernière saison de L'Amour est dans le Pré. De l'eau a coulé sous les ponts pour l'ancienne prétendante évincée de Guillaume le Limousin. Désormais remise de cette rupture, la jeune femme a opté pour un changement de style radical. Touchée par le portrait de Guillaume, le timide agriculteur limousin de la saison 17 de L'Amour est dans le Pré, Margot avait décidé de lui écrire une missive assez touchante pour que le nounours de la saison 17 se décide à la convier au speed dating parisien. Et la toute jeune femme avait tiré son épingle du jeu puisque, comme Noémie, devenue la compagne de l'agriculteur, elle avait été sélectionnée pour faire le séjour à la ferme. Là, les choses n'avaient pas tourné en la faveur de l'étudiante. Guillaume, très attiré par sa complice d'aventure, avait, encouragé par Karine le Marchand, décidé de l'évincer très vite. Au cours de la brève expérience chez le timide barbu, la jeune femme avait révélé s'être mise au ball trap après une déconvenue amoureuse. Une confidence qui avait mi-horrifié la toile inquiète du sort de Guillaume après l'éviction de Margot. Cette dernière avait pourtant fini par émouvoir le public prenant l'aveu de l'agriculteur avec autant d'élégance que de délicatesse. Margot voit rouge. Margot était donc repartie avec ses espoirs sous le bras. Un peu triste, mais prête à ouvrir les bras à une nouvelle histoire. Le bonheur n'a heureusement pas mis bien longtemps à frapper à sa porte. Très sollicitée par de nombreux prétendants, Margot a, il y a quelques semaines, mis les points sur les i, pour faire cesser les faux espoirs de ces derniers. Étant dans l'impossibilité de répondre à tous les messages que je reçois, en trop grand nombre, je me permets de faire une annonce générale. Je m'excuse d'avance de décevoir certaines personnes, mais en effet depuis le tournage de l'émission, j'ai trouvé botte à mes pieds. Je vous remercie et souhaite de bonnes choses à tout le monde. Un peu plus tard, elle avait fait une jolie déclaration à celui qui faisait battre son cœur. L'amour est-il toujours sur un terrain de ball trap? Margot ne dit rien. En revanche, celle qui s'affichait avec un look sage lors de cette saison de L'Amour est dans le Pré, s'est semble-t-il inspirée de sa copine Noémie pour son nouveau look. Margot a ainsi troqué ses cheveux blonds cendrés contre une chevelure couleur de feu, et maquillé ses lèvres, d'un rouge vif. Armée de son fusil, Margot annonce clairement la couleur pour 2023.